Bon allez les amis, donc une petite sortie sur un terrain très très propre. Voilà, donc prêt à être semé, apparemment ce que l'agriculteur m'a dit. Ça fait déjà 2 ans que j'essaye de venir ici, donc voilà, c'est assez enclavé. Là au bout il y a une rivière, un petit cours d'eau. Et donc anciennement, donc ce qui était au ras du cours d'eau, il y avait donc un chemin de fer qui n'existe plus à ce jour. Il y avait un chemin de fer donc qui existait de 1700 à 1800 aussi, était présent. Donc voilà, donc là bon, on commence notre recherche. Donc voilà, donc j'ai commencé à faire une première trouvaille ici. Voilà, petit trou. Donc c'est un appôt. Ça fait un bail que j'avais pas fait. Depuis que j'ai le Goldmax, ça fait un bail. Voilà, légèrement abîmé. Enfin, poli, quoi, on va dire. Voilà. Allez, à la prochaine trouvaille, les amis. Alors, deuxième trouvaille. Alors, la voici. Donc, c'est un DT. Je pense, il y a une belle petite croûte dessus, mais je pense que au nettoyage, elle va bien ressortir. Donc, à poster à la fin de la vidéo. Voilà. Elle est bien encroûtée, hein, quand même. Mais je pense qu'il y a moyen de la sauver. À la prochaine trouvaille. Allez, encore une petite. Et elle est pas mal, très bien conservée. Légèrement abîmée sur les bords. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, un petit royaliste. Superbe, je mets les photos. Alors voilà, donc juste après les photos que vous venez de voir, ici, je l'ai trouvé là, hein, donc là on voit hein, que j'ai rebouché. Et là, juste là. Alors là, je vous fais un petit live, quoi, un petit direct. Parlons français, après tout. Hein. Alors là, c'est le genre de son que j'aime bien. Alors, je vais creuser en direct, pas facile, hein, c'est bien que vous me dites. Et oui, c'est ça d'avoir les fameuses caméras qui... Hop! Allez, c'est pour vous faire plaisir, hein, parce que je perds du temps, là. C'est sorti! Oh, d'accord, eh ben non. Vous voyez comme quoi... On a l'impression un super son, on le voit, hein, un tesson de bouteille, donc je pense qu'il y a son bouchon, un petit flacon plat, c'était d'origine apparemment. Voilà, avec son petit flacon plat. Bon, bah allez, ça va aller à la poubelle. Voilà, à la prochaine trouvaille. Malheureusement, j'aurais bien voulu qu'il y ait une belle découverte. À la prochaine. Encore une petite trouvaille, les amis. Alors attendez, je change de main. Voilà, un bouton. Comme vous pouvez le voir. Alors, ah oui, avec le clairon, le numéro, ah, c'est bon si, c'est un numéro 13, je ne sais pas si vous voyez bien, vous aurez une photo, voilà, complet, voilà, petit nettoyage, il est super, un super petit bouton, voilà. Allez, donc un son, là on va faire encore un live en espérant que ça ne soit pas... le restant d'un tesson de bouteille. Alors comme vous avez entendu, j'ai deux sons apparemment. Ça ricoche, donc il y aurait peut-être deux choses. Donc nous allons voir ça en direct. Allez. On va voir déjà si on a sorti. Si. Bon, voyons voir. Là, en visuel, on ne voit rien pour l'instant. Là. J'aime bien, c'est quand j'approche qu'on remue un peu tout. C'est pas loin du disque. Non. Ah, j'ai trouvé
là. Attendez, ça l'ombre. Très petite monnaie ou médaille, je sais pas, on verra. Même pas. D'accord, mais franchement, le live, c'est pas bon. Voilà, donc un restant de cartouche. Ouf, je sais même pas si c'est un restant de cartouche ou un rivet, un truc rivet cuivre, quoi. Voilà. Voilà, quoi. Bon, ben allez, fin déchet. A plus. Voilà, alors sans le détecteur, tout en marchant. Donc voilà, je suis pile poil dans un coin. Le cours d'eau est juste derrière avec le chemin de fer. Et donc tout en marchant, voilà, donc à la vue, quoi. Voilà. Une petite queue avec encore son vernis dessus, comme vous pouvez le voir. Voilà. Allez, ben ça, celle-là, elle ira dans la collection. Elle ira dans la collection. Alors, bien sûr. Attendez. Donc, elle ira dans la collection, ouais, c'était un... comment on appelle ça, les trucs asiatiques, là. Putain, Alors voilà, donc bah, c'est dans la collection, au niveau quand on fera une démonstration style musée avec tout ce qui est terre cuite, avec les époques et tout ça. Donc évidemment ce n'est pas de l'époque romaine, c'est très connu même du 18, on va dire au 19e siècle, hein, à l'époque, même sous l'époque du régime de Napoléon, jusqu'au 20e siècle, hein, il y en a eu, hein, début de 20e siècle, voilà, ce genre de poterie, voilà, donc souvent à deux ans, et puis qu'on appelait les, donc ici des pots à graisse. Voilà, donc bah, la prochaine trouvaille. Et voilà, pas loin donc de la petite queue de poterie. Et une petite perle. Voilà. Allez, on continue. Donc, on continue une recherche. Allez. Alors là, c'est pas du direct tout à fait. Je vais vous faire voir. J'ai creusé et là, le son, logiquement, merde, il est bon. Donc, vous l'entendez? Donc, voilà. Une cartouche. Ah non, regardez, un beau dé, putain il est beau, un beau dé à coudre, magnifique, tout petit, minuscule, magnifique comme tout, superbe. Je regarde si des fois il y a un petit motif, mais non, c'est le petit dé à coudre ordinaire, bon, dans un champ comme ça, non plié, tout bien en presque rond, oui, magnifique comme tout. Voilà. J'ai une collègue qui est venue me rejoindre parce que je l'ai appelé. Parce que, bon voilà, quand on s'est dit à deux, c'est plus simple. Je vois, il creuse. Je sais pas ce qu'il a trouvé encore. Voilà, je vous fais voir le petit dé à coudre. Voilà, et puis je vous dis à bientôt, à la prochaine trouvaille. Alors voilà, donc le résultat d'une belle petite après-midi, très court, hein, ce dimanche, n'est-ce pas, Jérém? Voilà, donc on est sorti à deux. Donc voilà, on fait un petit peu le tour de toutes ces trouvailles. Beaucoup, alors c'est un champ à DT, hein. Par contre là il n'y a pas à dire. Et puis comme vous avez vu tout à l'heure, un beau petit dé à coudre. Ah oui, il ne faut pas j'oublie aussi mon collègue. Ah puis ouais, regardez là, celle-là, elle est magnifique comme DT. Hein. Voilà. Magnifique. Mon collègue. Et son XP, son déhousse. Bon, il a fait un bouton. Par contre, il n'y a rien dessus. Voilà, c'est un bouton. Une petite anse en bronze, magnifique comme tout, elle n'est pas entière, c'est normal, c'est le déousse qui l'a trouvé. Des anneaux, voilà. Ah, deux petits plombs à sanglier. Alors ça, c'est, tu peux les, c'est pas, t'es pas obligé de les garder. Hein, ouais, hein, voilà. Et quand même, attention, une petite clé de montre. Il a voulu chercher la montre, il ne l'a pas trouvée. En ceci, voilà, pour ceux qui ne savent pas. Alors ça, c'est un petit poids monétaire, hein, puisque vous savez qu'à l'époque des... À l'époque médiévale, pour les DT, c'était au poids, hein, quand on achetait quelque chose. Et non par rapport à la valeur faciale de la pièce, puisque de toute façon, il n'y en a pas. Voilà, un petit crochet, une petite... Ah non, je sais ce que c'est. C'est pas une petite serrure, ça. Non, non. C'est une attache. C'est une attache. Tu vois, il y avait un cran comme ça, ouais, puis claque comme ça. Cadre. Voilà, comme un attache de cadre. Mais là, bon, je pense pas au milieu d'un champ... Que ce soit un cadre ou sûrement une attache de bretelle ou un truc comme ça.
Voilà, voilà les amis, donc petite sortie cet après-midi. Bah, écoutez, moi, je trouve que c'est pas mal quand même ce qu'on a fait. Donc avec un Deus et puis donc toujours la marque XP et aussi un Goldmax Power. A plus les amis.